Tu ne vas pas t'approcher? Je sais pas. Je sais pas si j'ai le droit d'approcher, Kalle. July, ne pense pas comme ça. Tu n'as rien fait. Je viens juste rendre hommage aux défunts. C'est parce que... j'ai le sentiment que c'est pas pour moi. July, tu n'as rien fait de mal. Ce qui est arrivé était un accident. D'ailleurs, c'est grâce à toi si Vera est en vie. Allez, vas-y. Monsieur Hermès. Oh, comment oui. Ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Ça va? Tenez, j'ai acheté ça pour vous. Oh, super. Ah, tu l'aurais pas dû. Génial. Mais entre donc, entre. Fais comme chez vous toi. Vous savez où se trouve Delay? Comme elle ne répond pas à mes coups de fil, alors j'ai décidé de passer la voir. Ah, elle ne t'a pas mis au courant? Qu'est-ce qui se passe? Faire ça à moi, Vera. Tu sais comment j'ai été séparée de mes enfants. Comment as-tu pu me faire une chose pareille, Vera? Quelle sorte d'amour éprouves-tu pour moi? Est-ce que je peux vous aider? Faites-la partir. Oui, madame. Désolé, madame, mais vous devez partir. Vous avez vu ça, là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle s'en est? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait? Thank you.
Mes condoléances, Vera. Je croyais que le diable n'était pas admis à l'église. Je suis venue rendre mes hommages. Arrête tes salades, Victoria. Tu ne connais pas le respect. Ta seule présence ici montre que tu n'as de respect pour personne. Je ne veux pas d'histoire. Tu ne veux pas d'histoire ? Tu veux rendre tes hommages ? Alors rends hommage maintenant. Vera, ne fais pas ça, s'il te plaît. Vera ! Embrasse ton père. S'il te plaît. Embrasse-le ! J'ai vu ça. Montre-lui que tu le respectes. Embrasse-le ! Arrête, j'en supplie, Vera ! Arrête ! Embrasse ton père ! Un peu d'amour et de respect pour les funérailles de ton mari. Tu ne peux pas, hein ? Tu ne peux pas le faire. Dehors ! Tu n'as aucun droit d'être ici. Et ne t'avise pas de venir à l'enterrement de Manuel. Dehors ! Ça suffit, Vera. Partons. Partons, Victoria. Nicole, dis à Ariel de nous préparer un bon dîner, d'accord ? Victoria. J'ai fait ce que tu m'as demandé, papa. Et Vera, ce à quoi je m'attendais. Tout le monde est content maintenant, j'espère. Si j'avais su qu'une chose pareille s'était passée. Pourquoi tu n'es pas venu me le dire ? Je suis désolée. Je savais pas que j'étais censée le faire. J'ai pas l'habitude, excuse-moi. Je sais que tu fais partie de ma vie désormais. Alors je voudrais... Je veux savoir tout ce que tu endures pour t'aider à surmonter tes chagrins. Maintenant je suis là, quoi qu'il arrive, pour te soutenir et t'aider. Désormais tu pourras compter sur moi. Mes condoléances.
Chloé. Chloé, je suis désolée. Cette situation n'est pas facile. Peut-être qu'ils ont raison, tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Mais à cause de ce qui est arrivé à papa. J'ai besoin d'en vouloir à quelqu'un. Je ne peux pas accepter l'idée de l'accident. Je ne peux pas le digérer. Je peux pas l'accepter. Je peux pas. Chloé, tu ne peux pas rejeter la faute sur Jedi. Non, tais-toi. Ok, ça va. Tout va bien. Je crois qu'il vaut mieux que vous vous en alliez. Victoria. Est-ce que ça va? Je sais pas. Je pensais qu'une fois que j'aurais tout fait, j'aurais tout récupéré, que je leur aurais fait autant de mal et de chagrin qu'ils m'en ont fait. J'irais bien. Je pensais que je serais heureuse alors. Mais comme Manuel est mort de cette manière, mal, tu sais. Ma fille, peut-être est-il temps de t'arrêter et de faire ton deuil. Je suis furieuse, papa. La rage me brûle de l'intérieur. J'ai peut-être tout, mais ça signifie absolument rien. Parce qu'il n'est plus là. Encore une fois, toutes nos condoléances, Vera. Merci, Kay. Merci. C'est quand les funérailles? Nous voulons y être. Demain. Ne serait-ce pas un peu rapide? Je n'ai pas besoin de longues funérailles, Frédéric. Je vous verrai demain. Nous serons là, Vera. Merci. Au revoir. Merci, René. Prends soin de toi. Au revoir, Miss Vera. Mais maman... La journée a été longue. Je rentre à la maison. Peut-être demain. Tu viens avec moi? Si je ne dois plus jamais revoir papa après demain, je préfère passer la nuit ici. Thank you.
S'il te plaît, Kate, assure-toi que tout soit bien prêt pour demain, d'accord? Le buffet, les fleurs, je laisse tout ça entre tes mains, Kate. Ne t'en fais pas, je prendrai soin de tout. Merci. Chloé. Chloé, il n'y a qu'une minute, s'il te plaît. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois. Tu n'as pris aucun de mes appels. Tout était parfait avant que tu n'arrives, Victoria. Tu as détruit le bonheur de ma famille, Vera. Tu as réduit en miettes tout ce que je possédais. Tu aurais dû mourir à sa place. C'est toi qui aurais dû y passer. Tu es responsable de la mort de ma mère et d'Angela. Et en plus, tu nous as volé mon père. Tu m'as volé l'homme que j'aime. Maintenant, j'ai perdu tout ce qui m'est cher. J'ai été privée de la chance de devenir une fille aimante. Et tu en es l'unique responsable, Vera. La seule responsable, c'est toi, Victoria. Et tu vas en subir les conséquences. Pour l'accident de Manuel, pour avoir tué mon âme, vous allez toutes les deux subir ma colère. Toutes les deux. Toi et ta sœur Jelai. Je ne trouverai jamais de repos, Vera, jusqu'à ce que tu regrettes le jour où tu es venue au monde. Ne pas lire le testament d'abord. Après, nous verrons s'il y a vraiment une erreur. Encore une chose, je voudrais que tu emballes toutes les affaires de Manuel dans cette pièce. Qu'est-ce que c'est que ça?